Alors j'ai pris les Élysées. Hein. Vas-y, je fais soldat. Direct. La coiffure, elle me tue, gros. Voilà, ouais, ouais, voilà. Un peu, tu vois. Tu sens, il a du vécu, le man. Le site de Dréguion écrasé. Tu vois à quoi ça ressemble, ça? Il va mourir. C'est soldat, je fais soldat. Soldat, répétez, 100% soldat. C'est vrai, bonus 28 cm de pin. Ah ouais, c'est... T'es bon, toi. T'es bon. Kunsana ? Vous allez bien ? Ouais, donc là, on est en train de se cracher, là. Là, il y a problème. Explorer Telos. Collecter de la viande de tortue. Cette cible n'est pas valide. Ok, donc la quête là elle est finie. Mais j'ai d'autres spells ou pas? Est-ce que j'ai d'autres spells plus tard? Est-ce qu'il y a un maître des compétences, de la classe et tout? Parce que là, je tourne sur un pattern de 3 spells en spammant une touche. Mais j'aimerais avoir autre chose. D'ailleurs, joyeux anniversaire, j'imagine, vu le titre. Merci beaucoup. Ouais, ouais, ça me fait 32 ans aujourd'hui, les frérots. Bah, on est en live depuis 8 heures, là. Et bah, j'espère que ça vous plaît, du coup. En vrai, on a passé une bonne journée. On a fait beaucoup de Plunderstorm aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de top 1. Je suis très, très content de ce qu'on a fait sur Plunder. Et là, on est sur, on finit la journée en fait tranquille sur Ion Classic. Et en vrai, c'est un plaisir de découvrir un nouveau MMO. Enfin, nouveau, c'est un ancien, mais je veux dire, Ion Classic est sorti il y a pas longtemps. Donc du coup, je teste. Et j'espère que ça vous donnera envie aussi. Donc en vrai, n'hésitez pas à aller sur le lien que je vous ai donné là dans le chat là, à cliquer dessus et juste installer le jeu et essayer, tu vois. C'est gratos, essayez, voir si vous aimez et tout. Et venez jouer avec moi, au pire. Tu veux faire le hashtag ad avec Métain 2, hein? Tu veux que j'aille négocier avec eux, frère? C'est ça, hein? Métain 2. C'est énervé, le man, on dirait la Légion.
c'était des élémentaires de feu ou des golems, je sais pas comment on les prononce dans le jeu, mais... Ok. Ça, il faut que je tue. Cible incorrecte. Ok. Bon, je vais régène complet et je vais attaquer celui-là. Alors, celui-là, il m'a défoncé. Il m'a éteint l'autre jour. Donc, je sais pas comment je vais pouvoir me le faire. Mais je vais essayer. Je vais tout mettre dessus. Je vais full burst. Je vais crever. Alors peut-être. Oh là là, eh, j'ai été une machine. Ah, cinématique. Ouais, t'as le seum, hein. Alors, on va voir Marcus, le maître guerrier. Arieluma, ami. Les Manduri se sont établis près de l'entrée de la forteresse. Les villageois sont terrorisés. D'accord. Oh damn! Nouvelle attaque! Level 23, c'est marqué en bas là, tu vois, à droite de mon personnage. J'étais 18 tout à l'heure, là je suis 23. Donc là c'est... on monte plus lentement que sur la première session. Parce qu'on est plus dans les zones d'intro. Que voulez-vous ? Le pouvoir de l'espadon de quartz rouge va s'unir à celui de l'épée de glace. Ces deux lames n'en forment désormais plus qu'une. Ion vous envoie. Après le grand cataclysme, votre peuple se rassembla autour des décombres, à la base de la tour. 5 des seigneurs empyréens avaient survécu, et sous leur commandement, nous construisîmes une nouvelle capitale, Sanctum, d'où nous commençâmes à repeupler les contrées d'Elysea, bénies par le soleil. Un jour, pourtant, d'inquiétantes fissures se mirent à apparaître soudainement. Ceux qui osèrent s'y aventurer disparurent à jamais. Nos guides, qui s'appelaient désormais les seigneurs Séraphim, envoyèrent une expédition dans l'une des fissures. Les courageux explorateurs quittèrent Elysea sans savoir où ils arriveraient un jour. Heureusement,
ils en revinrent indemnes et nous parlèrent d'un endroit terrifiant et fascinant à la fois. Un endroit chaotique où flottaient des débris de la tour de l'éternité et où l'éther était si puissant qu'on pouvait y voler sans effort. Cet endroit fut baptisé les Abysses, mais nous n'étions pas les seuls à avoir découvert ces labes. Les Balors, nos ennemis d'antan, s'y étaient établis. Les seigneurs Séraphim ordonnèrent à la Légion de la Tempête menée par Deltras d'explorer chaque recoin des Abysses. Elle quitta Sanctum en grande pompe. Dans les Abysses, Deltras découvrit une fissure inhabituelle. Il la franchit avec sa Légion, s'avançant dans l'inconnu. Ils découvrirent un monde peuplé par des créatures ténébreuses et sauvages. Néanmoins, elles nous ressemblaient vaguement. Deltras se demanda s'il pouvait s'agir de survivants du grand cataclysme. Ces créatures approchèrent notre Légion et se présentèrent sous le nom d'Asmodiens. Leur porte-parole était le seigneur Zikel, un seigneur empyréen avant le grand cataclysme. On le soupçonnait d'avoir causé la destruction de la tour de l'éternité. Malgré tout, Deltras salua Zikel chaleureusement, mais ce dernier l'attaqua en traître. Deltras et la majorité de sa Légion donnèrent leur vie pour Elysea ce jour-là. Lorsque les rares survivants de la Légion de la Tempête retournèrent à Elysea pour annoncer le carnage, cela provoqua une douleur immense. Mais ensuite, nous réagîmes. Les seigneurs Séraphim déclarèrent la guerre contre Asmodée. Nous brûlions tous du désir de venger le noble Deltras. Quelques jours plus tard, nous combattions les Balors et les Asmodiens dans les Abysses pour la première fois, mais pas la dernière. Nous ne connaîtrons pas de répit avant la victoire ultime. Stylé la cinématique en vrai, un peu de lore, c'est cool. Ça, on apprend un peu pourquoi on en est là et tout. Idem, je payais 12 euros par mois, après je passais en free-to-play, j'ai tellement pensé sur MMO à l'époque. Beaucoup de gens avaient joué, mais même j'avais plein de potes moi qui jouaient à WoW TL4, tu sais, avec qui on raidait sur WoW. Qui justement avait fait une grosse session sur Ion quand c'était sorti, parce que tu sais, il y avait une hype et tout, le fait de pouvoir voler avec les ailes, le machin et Ion tout. Ion vous envoie. C'était un truc un peu jamais vu dans les MMO, tu vois, donc. Pour aller là. Mais d'accord, hein. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Ah oui, ok. Oh ouais, non, mais c'est grand en fait, ok. Nous combattons dans les Abysses pour une seule raison: protéger notre belle Elysea des Asmodiens et des Balors. Nous devons donc conquérir toutes les forteresses de Reshanta et prendre une longueur d'avance sur nos ennemis. 9 forteresses attendent d'être conquises à Reshanta, et chacune a une grande valeur stratégique. Bien entendu, les forteresses au cœur de la région sont les plus importantes. Chaque forteresse est protégée par un général divin. Leur position apparaît sur votre carte quand ses gardiens passent à l'action. Si votre Légion parvient à vaincre un général divin et à prendre le contrôle d'une forteresse, vous recevrez des quinas, des points de domination et bien sûr toutes sortes de prises de guerre. Mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire, vous vous en doutez. Les archons Asmodiens sont tout sauf des adversaires faciles, et la puissance des Balors est immense. Voilà pourquoi nous avons tant besoin de votre aide. Ensemble, nous pouvons mettre un terme définitif à cette guerre. Ok. Et donc le donjon solo bientôt? C'est Ion qui vous envoie. Envoie. Le champ éthéré qui entoure une forteresse est quasiment infranchissable. Aussi redoutable qu'un régiment ouais, d'archons. Okay. Les assaillants qui tentent de traverser cette barrière meurent dans la souffrance. À moins de disposer d'une supériorité numérique écrasante et de pouvoir se permettre d'encaisser de lourdes pertes, l'attaque par la voie aérienne est une tactique à éviter. En revanche, il est possible de neutraliser complètement le champ éthéré en détruisant le générateur qui est situé à l'intérieur de la forteresse. Comme vous l'aurez sans doute compris, la destruction de ce générateur est la clé de notre victoire. Ok. Alors, je vais aller parler à la personne ici. Oui, exprimez-vous. Les portes sont la première ligne de défense d'une forteresse. Elles sont capables de résister à la plupart des attaques.
et leur pierre de garde peut les réparer, ce qui facilite encore la tâche des défenseurs. Mais la pierre de garde ne peut faire son office que si la pierre de restauration est elle-même active. Une fois la pierre de restauration neutralisée, les portes ne restent jamais debout très longtemps. Les armes de siège peuvent également venir à bout des portes, même les plus solides. Alors, veillez à détruire les engins ennemis dès que vous les voyez. C'est stylé. Ok, ok, ça t'explique un peu comment ça marche en fait. Oui, exprimez-vous. Lorsque vous assiégez une forteresse, un général divin apparaît dans une chambre souterraine. Ce gardien possède une puissance vraiment terrifiante. Vous devez impérativement le battre pour prendre la forteresse. Une fois le gardien vaincu, la forteresse passe sous notre contrôle et Sanctum dépêche aussitôt des troupes pour la défendre. Ok. C'est bien parce que là, ça m'explique vraiment tout le jeu en fait. C'est carrément top. Ça me plaît le délire des forteresses là. Asphelumbra. Je peux en faire moi des trucs comme ça ou faut plus être HL pour le faire ? Les artefacts sont des reliques mystérieuses de la Tour de l'Éternité. Ils sont tous différents, mais ils possèdent tous un pouvoir immense. Ok. Nous ne connaissons pas encore toute l'étendue de leurs capacités. Mais nous savons comment exploiter une fraction de leur pouvoir. À condition, bien sûr, de détenir la bonne pierre d'activation. Entre de bonnes mains, un artefact devient une arme dévastatrice. Certains peuvent anéantir une légion entière d'ennemis. D'autres peuvent arracher nos guerriers aux griffes de la mort. Leur puissance peut changer le cours d'une bataille en un instant. Mais pour prendre le contrôle d'un artefact, vous devez d'abord vaincre son gardien. Ok. On a encore deux explications, je pense. Non, parce qu'en fait, ce week-end-là d'IRL, je suis pas là et j'ai des trucs à faire, Isirus. La lumière de Damariel soit sur notre... Non, parce que ça a été prévu seulement un mois avant, tu vois, et moi j'avais déjà des trucs organisés, donc... Impensable sur Atreia, mais pas dans les abysses. Un kisk est un obélisque portatif. Vous pouvez l'utiliser pour créer un point de résurrection n'importe où sur le champ de bataille. Votre point de résurrection sera là où vous placerez le kisk. Mais rappelez-vous, le kisk a une durée de vie limitée et le nombre de devas pouvant y lier leur âme dépend de sa taille. Malgré ses inconvénients, le kisk reste un atout essentiel au moment d'assiéger une forteresse. Si l'ennemi détruit votre kisk, les devas tués réapparaîtront près de leur obélisque permanent. Ils se retrouveront alors loin du champ de bataille, ce qui risque de compromettre vos chances de victoire. C'est veillez le donc à toujours bien défendre votre kisk. Votre succès en dépend. Votre kisk. Ok, dernière explication. Arieluma, Arieluma. Les Asmodiens sont dangereux, mais dans les abysses, la plus grande menace vient des Balor. Et il n'y a pas de menace plus terrible que celle posée par leur redoutable vaisseau de guerre, les Dredgion. Nous ne savons rien sur eux. Ni d'où ils viennent, ni où ils vont, ni même quel chemin ils empruntent dans les abysses. Ils peuvent surgir n'importe où et frapper n'importe quand. Quand un Dredgion apparaît, il commence par larguer une horde de Drakan. Avant de déclencher un tir de barrage dévastateur. À ce jour, nous n'avons toujours pas trouvé le point faible de ce monstre destructeur. Alors quand il passe à l'attaque, il n'y a qu'une seule chose à faire, se mettre à couvert.
Nickel. Parfait. Merci Balou. J'espère que ça va être une grosse gemme ça pour moi à la fin parce que... Bah en fait à l'époque Seigneur Marteau, pour... en fait les... il faut remettre en contexte ce jeu, il est sorti à l'époque de WoW. Là t'as les graphismes d'il y a 15 ans. Il y a 14-15 ans. Vu que là on est sur la version classique. Mais ouais à l'époque c'est vrai que les gens avaient crié au WoW Killer. Et le système PvP était pas mal avec la prise de forteresse et tout. Moi mes potes qui jouaient ils me racontaient un peu. Mais moi j'avais pas fait la transition, j'étais resté sur OTLK quoi. Là je te le dis hein. Dépêchez-vous, j'ai mes ordres. J'ai exploré les ruines d'une ancienne cité. Zone sur PvP à l'époque, en level 30-50, d'accord. J'ai commencé l'épisode 1, Rachida. J'ai bien aimé, faut que je regarde la suite. Et certaines font référence au Balor. Fly d'ici. Ouais, ouais, c'est là où je suis mort, mais... Est-ce que j'ai un fly qui me permet de retourner... De quoi avez-vous besoin? Ouais, nickel. Je vais retourner faire le premier... Au moins, là, j'ai découvert ce spot-là. Donc là, je suis 7 là-bas, c'est parfait. Moins de voies possibles. La régène. Trouver les murs sculptés. Mais c'est... Ah ouais, c'est ça. D'accord. C'est ce truc là. Ok, j'ai juste à cliquer dessus du coup. Parfait. Le set du Paladin de The War Within a été dataminé. Ouais, il est joli, ouais. J'ai vu le skin, il est joli. Mais on fera un... Si vous voulez, on fera un gros point demain, si vous voulez. Vous si vous êtes chaud, demain, on fera un gros point. Je sais pas si je vais stream plus longtemps que le live de Ion, tout à l'heure, pour être honnête. Oui, oui, d'accord. Et maintenant, filez. Ouais, donc là, je vais les éteindre, les mobs, en fait. Fantaplasma 3. J'ai la foudre 1. Enfin, foudre 4. Je sais pas pour vous, mais... Moi, je préfère. Attends, il y a une quête à prendre avant ou... Vous avez choisi une cible incorrecte. Que venez-vous faire ici ? Hop, hop, hop. Ok. Attends, parce que là, je suis dans un donjon. Éliminer la sentinelle de la tour de guet et explorer le quartier général de Kaidan. Merde, c'est celui que je viens de faire? Je vais devoir attendre son repop peut-être. Ligne de visée est obscure. Comme j'aimerais tellement qu'il ressorte un serveur Warhammer Online. Ah, c'était ça du coup. C'était bien ça. Mais vie. T'es chouette, du coup. Ça, c'est Tay sur Discord quand il veut des miettes et des infos sur les projets PVE, regardez.
Mais ouais, donc merci, merci encore pour l'OP, pour la confiance, pour l'agence qui m'a contacté et la boîte hein, de Ion qui m'a fait confiance et tout. En vrai, le jeu, tu sens qu'il a vieilli. Tu sens que la version classique, bah voilà, c'est le jeu de l'époque, donc 2009-2010. Bah forcément, ça vieillit graphiquement et tout, donc faut pas s'attendre à un truc révolutionnaire. Mais j'ai pu découvrir Ion que je connaissais pas. Je ne connaissais pas Ion en réalité. Parce que j'avais pas fait le move à l'époque quand mes potes avaient été dessus. Moi, j'étais resté sur WTLK parce que je kiffais trop. Donc, ouais, sympa la découverte. Et peut-être qu'on remettra ça un jour. Je sais pas. Je garde les accounts et le truc installé. Et puis on verra. Donc voilà.